Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui enfin pour la suite de ce let's play sur Pokémon Gem. Et oui, enfin, j'espère que vous l'attendiez ce retour de Pokémon Gem, hein, parce que j'ai vraiment passé du temps à refaire tout le jeu, parce que j'avais perdu ma save, comme je l'ai dit dans un épisode de Pokémon Light Platinum, je crois. Si je me trompe pas, c'est ça. Et voilà, et le retour de Pokémon Gem pour les 100 abonnés. Merci, franchement, un énorme merci aux 100 abonnés. C'est un peu le but que j'avais quand je me suis lancé sur YouTube, hein. Puis là, bah, je vois que c'est déjà à 105, hein. C'est déjà monté encore plus. Donc franchement, un énorme merci aux 100 abonnés. Et surtout, je tenais à remercier une personne en particulier qui je... grâce à qui je pense que je suis arrivé là, c'est Spectrolo, parce que un grand merci à toi, parce que bah, il m'a invité dans ses vidéos, et puis voilà, il a fait la Team Meteor Prod où il m'a demandé si je voulais y aller, et plein de trucs, et je pense que sans lui, j'en serais pas aux 100 abonnés, donc franchement un énorme merci à toi, donc bah, d'avoir fait tout ça. D'ailleurs, je l'inviterai dans la vidéo bah, de Pokémon Gem à la Ligue Pokémon, ça sera épique. Enfin, normalement, s'il n'y a pas de problème, ça va être ça. Et donc, cette fois, bah, on va pas faire la Ligue là. Je crois que dans le dernier épisode, j'avais dit que j'allais la faire, mais non, on va pas la faire maintenant en fait. Parce que maintenant, on va aller à ON. Alors, il y a quelques trucs que j'ai pas fait. Par exemple, déjà, je les ai tous augmentés. Et oui, une autre chose, vous pouvez voir, j'ai changé... j'ai plus de Philali, j'ai un Florizarre. Pourquoi j'ai un Florizarre? Parce que Florizarre a Poudre Dodo et Vampigraine. Donc, Poudre Dodo, déjà, j'ai remarqué que c'était plus précis que Sifflerbe de Philali. Donc, c'est déjà mieux. Et il y en a autant, je crois. Il y en a 15 pour les deux. Et il a Vampigraine, un truc énorme, vachement utile pour battre la ligue. Donc inflige des dégâts à chaque tour à l'adversaire et nous redonne de la vie à nous. Et une autre chose, vu que les attaques plantes sont des attaques spéciales, et ben Florizarre il a une meilleure attaque spéciale que Philali, donc c'est encore mieux. Il est cheaté Florizarre, donc voilà. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et voilà, et Philali il est là. Je l'avais monté niveau 36 et après j'ai changé. Enfin bref. Et donc on va aller à ON. Mais j'ai pas. Il y a quelques trucs que j'ai pas fait. Du style, déjà j'ai capturé les 120 Pokémon pour avoir vol. Mais il y a un truc que j'ai pas refait. Enfin que j'ai pas eu le temps de finir. Mais ça change rien puisque ça sera pas utile pour cet épisode. C'est les 20 000 points. J'ai pas 20 000 points, j'en ai 16 000 ou un truc dans le genre, il me semble. Pour avoir plongé. Mais je vais vous apprendre un truc. Ou peut-être pas, hein. Si vous capturez un Whelmer et que vous le montez niveau 41, il apprend plongée, donc bah, je vais tout simplement faire comme ça. Et il a d'ailleurs évolué vu qu'il est niveau 42, hein. Donc je vais le prendre et je vais poser Givrali. Voilà. Et on va faire un autre truc aussi. On va aller faire un stock de Pokéball parce que ça va être vachement utile. Alors, est-ce que c'est ce mec? Acheter, ouais. Non, Pokéball, voilà. On va en prendre 200. Et oui, 200, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Mais il faut en prendre 200 parce qu'à ON, il y a un Pokémon légendaire qu'on va devoir capturer. Et j'ai vraiment pas envie de le louper. Surtout que dans la suite du jeu, il y aura beaucoup de légendaires qu'on va capturer. Donc, autant acheter des balls et puis on va en prendre 20 comme ça. Mais je crois que dans Pokémon Gem, il y a un bug et les Hyper Balls sont aussi efficaces que les Pokéballs. Donc, on verra. On va tester. Et donc, on va se rendre à... Bah, ON. Donc, c'est qu'une petite partie de la map, hein, parce que c'est la 3.5XD. Ça sera... dans la 4.0, où on aura ON en entier. Donc, ça sera énorme, hein, je la ferai, la 4.0. Comme je l'ai dit plein de fois dans les autres épisodes, enfin bref. Donc c'est par là,
on va à Parménie et on descend ici. Alors je vais mettre des repousses. Des repousses, des repousses. Ils sont où? Je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. Voilà, j'en ai plus que 7, ça fait pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de pas se faire les dresseurs, ça servirait à rien, je pense. Sachant qu'ils sont tous de plus de niveau 90. Je crois qu'il y a Florizard 92, j'ai 2 niveaux 91 et 2 niveaux 90 et Metalos 95. Et pour la Ligue Pokémon, je pense, mais c'est pas sûr, je pense que je les mettrai tous niveau 95. Parce que dans cette version, comme vous le savez, la Vive Griffe n'est pas buggée comme dans la 3.5X. Dans la 3.5X, ouais, elle nous permet de... Ah, un Pokémon sauvage, bon, pas grave. Dans la 3.5X, elle nous permet de... Elle marche à chaque tour, en fait. C'est... Alors que quand elle est pas buggée, en fait, la Vive Griffe, elle permet d'attaquer en premier, mais seulement une fois sur 16. Donc, faut de la chance. Alors que dans la 3.5X, elle te permet tout le temps d'attaquer en premier. Donc, voilà. Et voilà, on est dans les fonds marins. On est dans les fonds marins. Et je crois qu'il y a des Pokémon, donc on va mettre en repousse. Hein. Surtout que c'est pas des super Pokémon. Et que j'ai déjà capturé les 120 Pokémon. Donc je vois pas l'utilité. What? Il est pas remonté? Ah si, voilà, il est remonté. Et voilà, on est à ON sur la route 119, la route où on peut pêcher Barpo. Alors je sais pas s'il y a Barpo dans Pokémon Gem. Alors c'est fermé la station météo, on peut pas y aller. C'est vraiment con. Mais bon, il y a quelques dresseurs, si on peut les éviter on va le faire. Parce que ouais, ils sont pas puissants. Si, il y en a un qu'il faut qu'on batte, parce que ça permet de débloquer un objet, je crois. Enfin bref, le plus intéressant de cette zone, hein, c'est bah, le Pokémon légendaire. Ouais, bon, on va remettre en repousse. Ah, plus 4, hein. Ils partent vraiment vite, les repousses, dans le jeu. Voilà, c'est lui, le dresseur, qu'on va battre. Hop, hop, hop. Alors, on va essayer de le battre vite fait, hein. Ah, niveau 53, quand même, hein. Pas mal. Ah, d'ailleurs, j'ai pas soigné les Pokémon. Bah, pas grave, c'est dommage. Mais bon. Ah, d'ailleurs, je lui ai pas enlevé le multi-ex parce que je l'avais entraîné juste avant de faire la vidéo pour avoir plongé à Wailord. Du coup, je lui ai pas enlevé le multi-ex. Du coup, il est encore en train d'augmenter de niveau. Je lui enlèverai là juste après. Pour pas que. Bah, il augmente. Ce qui me sert plus à rien là. Il est en train de monter de niveau, mais. Il sert à rien en fait. Ah, on fait tous les deux lance soleil, mais lui il va rien me faire. Ouais, voilà. Ah, ça lui fait carrément rien, tranche herbe. C'est pas grave, je vais continuer aux tranches herbes. Ouais, ok, c'est bon, il est mort. Hein? What? Bon. Vous savez quoi, on va faire plus vite, hein. Les roues de feu, t'es mort. Voilà, c'est... Ça, c'est fait. Hop. Voilà. Nidoqueen, on va remettre Florizard. Puis on va lui faire tranche herbe. Non, lance soleil, j'ai fait, mais j'ai pas fait exprès. Pas grave. J'ai pas fait gaffe si j'avais des potions. Mais de toute façon, c'est pas trop grave. Oula, il a déjà 220 PV ou Wailord, alors qu'il. Il a pas un niveau trop élevé. Lui, on va l'endormir. Parce que c'est un Pokémon de type vol. Donc. Ça craint un peu. S'il nous fait un cruel, ça doit faire mal, je pense. Sur...
surtout. Ah si, on lui fait beaucoup de dégâts quand même. Hein. One shot. Alakazam. Alakazam, un petit trancherbe. Ah, il va faire mal. Il va faire mal. Ouf. C'était juste. Je vais regarder si j'ai pas une potion là, puisque perdre toute l'XP au niveau 92, tout ça d'XP, ça aurait été un peu chiant. Parce que c'est super long à entraîner. Déjà, toi, objet, prendre, voilà. On lui enlève le multi-exp, parce que niveau 47, ça sert plus à rien. PV+, voilà. Est-ce que j'ai pas une potion? Hyper potion, parfait. Parfait, voilà. Si je vais mettre un autre pouce aussi. Parce que je crois qu'il fait plus effet. Ouais. Voilà, tac tac tac. Et le fameux Pokémon légendaire qui est ici. C'est Jirachi. What? À mon avis, il faut beaucoup de repousse. Alors, comment on le chope? Moi, je veux le choper. Viens là, viens là, viens là. En fait, on va attendre qu'il s'arrête de bouger. Ça sera déjà pas mal. Ah ouais. Ça risque d'être long pour le trouver. Il y a un abonné qui m'a dit que c'était super long pour le trouver. Enfin, avant de commencer le combat et que... Ah! Ouais, ouais, il y a des Pokémon dans les herbes. Ah, ça va pas être cool, ça. Bon, on va leur faire des tranches herbes. Ok, c'est bon, il est mort. Oh mais non. Ah, j'aurais dû prévoir et acheter plus de repousse. Ouais. Ah là là, c'est pas cool ça. En fait, mais je sais même pas en fait comment on fait pour l'attaquer. On va pas bouger, on va attendre que lui il s'arrête. Ça se trouve, faut réussir à lui parler pendant qu'il bouge comme un fou. Je vais essayer de parler dans le vide là, comme ça quand il passera à côté, il va se faire avoir. Ah mais pff, ouais, ah ça va pas être cool. Je sens que ça va pas être cool. Sans repousse, ça va pas être super. Ouais. Bah sinon je vais faire une ellipse en fait. Le temps que le combat il démarre ou qu'il s'arrête de bouger, faut voir ce qui se passe, hein, j'en sais rien. Parce que là, me voir le suivre Jirachi, ça doit être un peu chiant. Donc voilà, petite ellipse jusqu'à ce que bah, il s'arrête de bouger ou que le combat commence. Donc les gens. En fait j'ai trouvé ce qu'il faut. Faut réussir à le coincer. Ah merde, il est en train de se barrer. Faut le réussir à le coincer. Et j'avais réussi à l'emmener là-bas. En fait, il a peur de nous et il se barre loin de nous. Faudrait que j'arrive à l'emmener en dehors des herbes. Ça serait plus cool. Vas-y. Casse-toi de là. Non. Ouais, bon, écoutez, je vais faire une ellipse jusqu'à ce qu'il soit carrément coincé là, puisqu'il était pas super bien coincé. Donc bah à tout de suite quand il sera vraiment bien coincé dans un coin et qu'il pourra plus bouger. Oui, enfin j'ai réussi à le coincer. Donc déjà, hop, puisque j'avais changé, puisque Florizarre il avait plus de tranche herbe. Et let's go pour le fight. J'ai réussi à le coincer, il est niveau 10. Je vais pas lui faire Vampigraine, c'est beaucoup trop risqué. Je vais pas l'attaquer, je vais juste spammer les balls en fait.
Donc il paraît qu'il est dur et facile en même temps à capturer, je sais pas. Faut voir. On va bien voir si il met longtemps à rentrer. On va juste spammer en fait les balls, les balls, les balls, les balls. Puis si ça met trop longtemps, je ferai une ellipse, hein, puisque ça risque d'être chiant, je pense. Hop, poudre de dos. Poudre de dos. Et il dort, voilà, ok. Et on spamme les balls. J'espère que je vais l'avoir, hein, puisque si je l'ai pas, ça serait un petit peu con, quand même. Ah, ça serait cool qu'il rentre, hein, puisque il est que niveau 10 en plus. Mais bon, c'est un légendaire. Lui, franchement, c'est normal qu'il ressorte parce que c'est un légendaire, mais du genre un Terral qui veut pas rentrer, qui rentre aussi difficilement qu'un légendaire, c'est un peu zarbi quand même, hein. Poudre dodo. Ah mais si, je sais ce qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse Vampigraine, mais la Vampigraine dans Pokémon GM, elle marche plus une fois qu'on change de Pokémon. Donc je vais faire ça. Je vais faire Vampigraine et quand il aura perdu trop de vie, je vais changer. Quand il aura perdu pas mal de vie. Ouais, faut que faire ça. C'est une bonne solution. Comme ça, il rentrera plus facilement. Et ce sera tant mieux. Enfin, j'espère, hein. Ce serait cool qu'il rentre maintenant même. Mais il veut pas. Allez, vas-y, faut qu'il rentre. Non, il veut pas. Bon, il fait repos, il s'endort tout seul. Au moins, ça lui remet un peu de vie. On n'est pas obligé de changer. Ouais, j'ai bien fait de faire un stock là, parce que vu comme on est parti, je pense que ça va durer longtemps. Je pense, hein. Ok, bah fais repos si tu veux, hein. Ça m'arrange, moi. En plus, mon Florizarre récupère sa vie. Allez, là, cette fois, il va rentrer. Et bah non. Il y était presque, mais non, il a pas voulu. Ah non. Dommage. Il fait vœu. Vœu, je sais pas trop ce que ça fait. Je crois que ça c'est censé soigner. Ouais, voilà. Il s'est soigné avec vœu. Je vais le rendormir par contre. S'il fait pas repos. Ah ben il fait repos, parfait. Parce que c'est mieux qu'il fasse repos, comme ça il remet sa vie et il meurt pas. Alors, on est déjà à 25 Pokéball quand même, hein. Ça fait déjà pas mal. 25 et il est toujours pas rentré. J'espère qu'il va faire repos là. Vas-y, fais repos. Et il veut pas. Vas-y, là il va faire repos. Fais repos. Hein, il fait vœu. Ah, ça craint quand même, hein. Là, s'il fait pas repos, ah non, je vais changer là parce que. Ouais, il y a son vœu, on va attendre encore un tour. Mais là, je vais changer. Ah, ça va, il fait repos, parfait, nickel. Parce que s'il meurt, franchement, c'est con, hein. Ouais, mais il veut pas du tout rentrer. Ouais. Ah, il était presque. Ça va, il refait repos. On spamme les balls, hein. Bah, c'est juste de la patience qu'il faut. Enfin, sauf si il rentre carrément pas jusqu'à la fin du combat. Oula, excusez-moi, je vais faire une petite ellipse. Ok, Rust, c'était un petit problème, un truc que mon ordinateur il affiche.
C'est un peu chiant, mais bon, pas grave. J'espère que ça va pas le refaire, parce que si ça le refait, ça va un petit peu me saouler. Là, s'il fait pas repos, on change. Et il fait repos, donc on continue. Ah ouais, il est long. Là, ça fait déjà au moins 5 minutes, je pense, qu'on essaye de le capturer et qu'il rentre pas. Et bah non, il y était presque, mais non, il a pas voulu. Faut y croire, moi je pense qu'il va rentrer, et à mon avis, il est pas si compliqué que ça. Ok, il fait vœu, donc on va continuer un petit peu. J'espère qu'il va faire repos, parce que s'il a plus de repos, après, faudra enlever la vampigraine, hein, s'il a plus de repos. Ouais, mais il en a encore. Je crois qu'il y en a 10. À mon avis, il les a utilisés presque tous. Hein. Ouais, sur les 10, bah, il a bien utilisé au moins 10 fois. Hein. Ah là là. Bon, on va voir s'il refait des repos, mais je pense pas, je pense qu'il en a plus. Tac tac tac, vœux. Ouais, ça serait cool qu'il rentre, mais ça va, il a des vœux encore, donc ouais, mais on va changer, on va enlever la vampigraine là, on va changer pour l'enlever, puisque si on l'enlève pas après, au bout d'un moment, il va faire lutte. Du coup, on remet Florizard. Comme ça, on pourra lui faire des poudres de dos. Hop. Des petites poudres de dos. Voilà, donc hein, on voit bien. La vampigraine, elle marche plus. Mais oh, il va s'endormir. Ok, c'est bon. Parfait. Et on continue de spammer les Pokéballs. Ouais, déjà 50 Pokéballs, c'est vraiment énorme. Il est toujours pas rentré. Hein. Heureusement que j'ai fait un très gros stock. Puisqu'il est peut-être même pas prêt de rentrer, je pense. Ah non, il y était là, il allait rentrer. Non, on va lui laisser faire son vœu, comme ça il va se soigner un peu. Parce qu'au bout d'un moment, s'il fait lutte, après lutte, il va s'enlever de la vie. Et ça sera très mauvais pour nous. Ok. Allez, bon. Là, on y croit. Là, ça va être bon. Il va rentrer. Il va bientôt rentrer, j'espère. Ouais, il est coriace quand même. Hein. Je le pensais plus facile que ça à capturer quand même. Hein. Pour un petit Pokémon niveau 10... il est vraiment très dur. Allez, on y croit. Ah, il se réveille. Ah bah, il fait un vœu, on va lui laisser le faire. Soit c'est que j'ai pas de chance, soit il est vraiment dur à capturer. Puisque là, vu le nombre de balles que je lui ai lancé, surtout qu'il était souvent endormi, hein, et pourtant même endormi, il rentre pas. Ouais, là, il ressort direct, carrément. Ah. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ouais, on va économiser les poudres de dos, là. Bon, s'il y a... au bout de 100 balles, il est toujours pas rentré, je ferai une ellipse, parce que là, ça va devenir vraiment long. Je vais tenter une hyperbole pour voir ce que ça fait. Ah, il a quand même fait plus de rebonds. Attendez, on va voir. Ouais, non, à mon avis, c'est pareil. Hein. Ça change rien du tout, je pense. Je sais pas, je les garde pour la fin parce que... ça, au cas où, à la fin, si j'ai plus que ça,
Ça sera mieux, je pense. Ah non, il y était là. Ouais, il était rentré. Mais non, en fait, il manquait un seul rebond. Là là. C'est vraiment très long. Et d'ailleurs, je le répète depuis le début du combat, parce que bah, vu que c'est long et qu'il se passe rien, je sais pas trop quoi dire, donc voilà, bah c'est long. Ah, déjà 70 Pokéballs, c'est vraiment énorme. Hein, 70 Pokéballs, il est toujours pas rentré. Mais bon. On y croit, il va rentrer. C'est de toute façon, c'est pas possible qu'il ait un taux de capture nul. Donc il va bien rentrer au bout d'un moment. Et ben non, il rentre toujours pas. Il fait même pas un rebond des fois. Ouais, bah voilà, là pareil. Et ah non, j'y ai cru là. Pouah, dommage. Dommage, dommage. J'ai vraiment cru, c'est je me suis dit ah bah, il va rentrer et bah non. Ouais. Et bah non, toujours pas. Et toujours pas. Et bah non. Bon, je pense que ça va durer vraiment super longtemps. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Ah là là. Ouais, ça commence à devenir chiant. Que ça fait plus de 10 minutes que je fais de lui que de lui lancer des Pokéballs. Donc voilà quoi. D'ailleurs, y a un bug de l'arrière-plan, ça met la mer alors que je suis en plein milieu des herbes. Enfin, je suis pas dans les hautes herbes, mais côté de la forêt en fait. Donc ouais, un peu bizarre quand même. Ah, il fait lutte. Oh, il commence à faire lutte. Et attention, il va falloir faire gaffe. Je crois que je vais l'endormir là, parce que quand il fait lutte, c'est mauvais. Ah, mais pourquoi il se réveille? Non, mes dernières attaques poudre de dos, elles vont être bousillées. Non, mais sérieux, quoi. Vas-y, là, c'est le moment ou jamais, faut qu'il rentre. Ah là là. Vas-y, rentre. Tu rentres. On ferme les yeux, on croise les doigts, faut pas regarder. Ah. Vraiment pas cool ce Jirachi, hein. Je vais voir dans mon sac si j'ai pas. Ah, redonne des PV. Ah, ça va, j'ai de l'huile. Donc je vais l'utiliser. C'est dommage, je voulais pas utiliser de l'huile. Maintenant, ça aurait été largement mieux d'y garder pour la ligue, mais là, je suis obligé, hein, pour le capturer. Puisque si... Non mais vas-y, pourquoi il rate ses attaques, putain? Oh. Oh, il rate... Vous savez quoi, je vais pas l'endormir. Tant qu'il sera pas bien affaibli, je vais pas l'endormir. Parce que sinon je vais bousiller toutes les poudres de dos. Fait qu'il fait que de les louper. Bon. Allez, à 100 Pokéball, je fais l'ellipse comme j'ai dit. Dernière Pokéball. Et on fait une ellipse. Et ben on fait une ellipse. Allez,
à tout de suite. Bon. Alors, j'en suis à là, il va bientôt mourir, j'ai plus de poudre de dos. Si je le capture pas, tant pis, hein. Il a qu'à aller se faire voir, j'ai envie de dire. Hein, puisque là, il me gaffe sérieux. C'est un truc de fou, là, sur tous mes poudres de dos, à chaque fois, il se réveillait direct après. Donc, il a juste intérêt de rentrer. Mais il est dans le rouge. Pourquoi il fait même pas un rebond avec une hyperbole dans le rouge et il est niveau 10. Vas-y, je vais faire un truc là. Je vais voir si j'ai pas un... mais 8 max, je suis pas fou, je vais pas utiliser ça. Élixir, non plus. Non, je vais pas y utiliser. Il a qu'à aller se faire voir s'il veut pas rentrer. Et ben là, s'il rentre pas, il va se faire voir. Et ben voilà, tu vas te faire voir, t'es qu'un vieux connard. De toute façon, je m'en fous, hein. C'est qu'un Jirachi, en plus je l'aime pas ce Pokémon. Et ben voilà, c'est con parce que j'ai utilisé un max de fric pour acheter des balls et... et des huiles et des machins. En gros je sauvegarderai pas, hein, après l'épisode. Comme ça je regagnerai ce que j'ai perdu et puis je pourrai le recapturer si j'en ai envie. Ce qui m'étonnerait. Voilà. Et... ok, protéines. Pourquoi pas. De toute façon, cet objet, ça sert à rien que je les ramasse, sachant que je les aurais plus. Alors, c'était par là. Tac, tac, tac. Puis, on va repartir et puis on va s'arrêter là. Hein. Je vais pas faire autre chose dans l'épisode. Je vais juste vous montrer que l'accès, déjà, l'accès en bas, vous l'avez vu, il est bouché. Et je vais vous montrer que l'accès à Symmetronel est bouché également. Parce que c'est une version bêta. Ce qui fait que le jeu il est pas fini. Et voilà, c'est bouché, on peut pas y aller. Hein, on peut aller où on veut, ça passe pas. On peut pas y aller. Et puis donc on va faire vol. Vous ne pouvez pas voler ici. What? Pourquoi je pourrais pas voler? On peut pas voler à Owen. Ok, bon, on va faire en mode plongée. Hop, plongée. Oula, on va arrêter d'appuyer sur PK parce que... et voilà. On est ressorti. Pourquoi je peux pas voler? Ok, enfin bref, on s'en fout. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. C'était un épisode un petit peu histoire d'aller à ON et de vous montrer Jirachi, même si j'ai gros fail, je l'ai pas eu. Enfin bref, c'est pas grave, sachant que je vais pas sauvegarder. Je pourrais aller le recapturer si je veux, hein. C'est pas grave, de toute façon, à quoi il va me servir, je pense, à rien. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où je ferai la Ligue Pokémon en compagnie de Spectrolo, si tout se passe bien. Hein. Et normalement, ça sera épique, hein. Ça sera un épisode de fou. Donc vraiment, un très grand merci aux 100 abonnés. Et puis d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, salut tout le monde !